Présent. Monsieur le vice-président Amilcar Myriam. Monsieur le député Bastien Jean Berthol. Monsieur le député Tardieu Thierry. Monsieur le député Théramène Girard. Monsieur le président, l'appel nominal accuse la présence de 94 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. On sait pertinemment que la corruption freine la dynamique économique des pays en agissant négativement sur l'assiette fiscale ainsi que sur les investissements publics et privés. Aussi contribue-t-elle à l'inflation dans la mesure où l'échange de pots de vin agit sur le prix de revient et donc sur le prix de vente des biens et services. Autrement dit, la corruption contribue à l'augmentation du coût de la vie et de la précarisation des ménages. À cause de la corruption, le Trésor public accuse un manque à gagner d'environ 1 milliard de gourdes. L'État haïtien n'arrive toujours pas a collecté plus de 500 millions de dollars à cause de la contrebande pratiquée, notamment sur la frontière haïtiano-dominicaine. Il importe de rappeler que moins de 60 000 contribuables sur un total de 500 000 n'ont pas procédé à la déclaration définitive d'impôt pour l'exercice dernier. La récente valse de nouveaux ministres nommés à la DGI à une heure tardive récemment afin de corriger et de s'acquitter de leur relevance fiscale, témoigne du mal-être haïtien. J'en profite pour en rappeler à une enquête sérieuse sur l'utilisation des fonds pétro-caribés dont la clameur publique estime qu'il a été ignoblement dilapidé. Cette investigation est nécessaire pour la stabilité politique et le renforcement de notre démocratie. Quand celle-ci ne saurait se baser sur des rumeurs et des dénonciations sans fondement. Bien au contraire, sa santé dépend du bon fonctionnement des institutions républicaines et de la confiance du peuple. Ainsi, sans mettre en doute notre cour des comptes, je demande un audit international de toutes les entreprises qui ont bénéficié des marchés passés dans le cadre du fonds Petro-Caribé. Ceci permettra non seulement d'enlever les légitimes soupçons de partisanerie et de crédibiliser les résultats de cet audit, mais également de pacifier notre société afin d'emprunter la voie du développement. Honorables collègues, nous ne devrions pas répondre à cette convocation à l'extraordinaire s'il n'était simplement question d'un rituel républicain dénué de perspectives d'avenir ou vide de projets améliorateurs. Cela fait trop longtemps que nous prenons l'habitude de nous couvrir la face de ces gens de cérémonial pour ne pas regarder la triste et inacceptable réalité de la majorité de la population. Là, devant Parlement, pour venir là, il y a un monde qui a fait besoin à terre là. Et je me suis dit, exercice ça, nous fait là, dans la législature ça, pour les gens qui fait débuter même j'avais. Les nous avons rentré dans la législature, ça, nous voté plusieurs premiers ministres et la réalité a toujours été même genre. Nous-mêmes qui là, nous sommes des législateurs, nous l'avons fait loi. Malheureusement, la majorité dans nous, je dis à nous obligés à faire route, nous sommes obligés à faire pont, nous obligés à répondre à des obligations sociales par rapport à déficit qui laissait par différents gouvernements que nous votons. Là, sous la saline, dans la dehors, il y a des gens qui ont fait besoin de terre. Là, devant le Parlement, il y a une insécurité à deux pas de l'ancien Parlement, côté des gangs armés
qui n'a pas aucune garantie que des députés jodia qui étaient carrefour car rentrer la caillou dans la paix et la sérénité. Donc c'est pour vous dire, monsieur le Premier ministre, c'est pour vous dire également, honorable parlementaire, que l'heure est grave, l'heure est à la conscience nationale. Merci. Premier secrétaire, merci de donner lecture du prochain. Vu que la totalité des pièces soumises par les ministres et les secrétaires d'État répond aux exigences fixées par l'article 172-1 de la Constitution, moyennant certaines réserves exprimées par certains membres de la commission spéciale, vu que la commission spéciale n'a pas tranché sur les réserves formulées et a choisi plutôt de les insérer dans le rapport aux fins d'appréciation par l'Assemblée des députés. Considérant que la Constitution en vigueur et les lois de la République constituent notre seule référence, la commission spéciale de la Chambre des députés, ayant étudié le dossier des ministres et des secrétaires d'État, formant le cabinet ministériel, considère que leurs pièces sont conformes au regard de la Constitution et les lois y relatives et déclare qu'ils sont aptes à faire partie du nouveau gouvernement. Par contre, Monsieur le Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, par contre, la commission recommande que M. Osner Richard soit écarté de l'équipe gouvernementale pour avoir acquis une autre nationalité. Mon gouvernement jettera les bases des différents pactes politiques, pactes sociaux et pactes économiques pour faire passer Haïti de celui d'État fragile à celui d'État stable, normal et résolument engagé sur la voie de la modernisation économique. Dans cette quête d'harmonie et de progrès économique et social, et dans la poursuite de ses objectifs d'institutionnalisation démocratique, de stabilité politique et de développement, il nous faudra maintenir le pays dans un état permanent de dialogue entre ses fils et ses filles. La précarité est à son comble et les frustrations énormes. Nous avons entendu les cris de désespoir exprimés par les défavorisés durant les événements des 6, 7 et 8 juillet écoulés. Le président de la République l'a dit, tout sera fait pour une amélioration immédiate des conditions de vie de la population souffrante. Je m'y engage résolument. Haïti a pris l'habitude des rendez-vous manqués. Aujourd'hui, nous avons au milieu de cette crise profonde l'occasion de nous prouver à la population et au monde entier que la classe politique haïtienne peut et doit prendre ses responsabilités. Les implications de cette séance vont beaucoup plus loin que la ratification de Jean-Henri Séan au poste de Premier ministre. Devant vous, aujourd'hui, je suis venu présenter ma déclaration de politique générale, mais je suis surtout venu vous proposer un contrat pour consolider la démocratie, pour sauver Haïti qui s'enfonce année après année dans les bas-fonds de tous les classements de développement. Le moment est venu pour nous de lever ces grands défis auxquels le pays fait face. Il n'est pas acceptable en 2018 que la population soit en butte à une insécurité alimentaire aussi aiguë dans plusieurs régions du pays. Il n'est pas normal à cette phase avancée de la civilisation mondiale, d'avoir plus de 2/3 de la population n'ayant pas accès à des soins de santé, à une formation de qualité et à des logements décents. Nous avons donc une responsabilité immédiate, incontournable et collective face à ce constat. C'est le moment, plus que jamais, pour nous de marquer une rupture pour que nos villes et nos campagnes puissent se remembrer. Une rupture dans nos rapports conflictuels, dans nos clivages, dans les guerres de clans, dans les politiques du haut de toit que je m'y mette, dans les mauvaises pratiques,
les mauvaises attitudes dans l'irrespect et l'oubli de l'autre. Ma déclaration de politique générale est donc plus qu'un simple énoncé. C'est surtout un cri de ralliement citoyen pour l'œuvre collective et solidaire de rédemption nationale. Avec le support du président de la République et votre accompagnement, honorable parlementaire, je suis prêt pour ces grandes missions historiques. Qui est la nôtre, tous ensemble. Honorable parlementaire, peuple haïtien, peuple a relé 6-7 juillet, président attendez, parlementaire attendez, tout le monde attendez. Je dis à peuple a tant de réponses nous toutes. Président a bat col, koumet Jean-Jacques, pour le bail réponse, yo pi vite. Moi-même, moi saute parler là, pour me dire non, tout ça me gagne à côté. J'ai besoin d'outils pour m'atterrir pressé. Parce que jodi a tout haïtien, quel que soit Jean ou tête, doit finalement réaliser pas gain first class, pas gain classe économique dans un avion qui n'a détresse. Le nous dans un bateau qui prend un roule, cap tangé et qui menace couler, pas gain couler, pas gain fortune. Pas gain intellectuel, pas gain oxote. Tout le monde s'est mis des mains. Sinon, nous tous avons péri ensemble. C'est comme ça seulement, dans coude à coude, dans les épaules, que nous comprendrons que nous avons partagé un passé, oh combien glorieux, et qu'il nous faudra nous engager tous ensemble à assumer notre destin commun de peuple. Une nation est une communauté imaginée, un projet. Un rêve né un instant pour lequel on s'investit tous les instants. C'est pour ça, j'ai maman loi pays à vler. J'ai besoin de forte confiance nous pour mal déployer sous tout pays à, avec tout ministre, secrétaire d'État, tout gouvernement moyen, avec représentant peuple, Jean-Président Mandela, Jean-Peuple Abton. Vive Haïti! Vive Haïti! Vive Haïti! Merci en pile. Monsieur, moi ouais comment on fait un plaidoyer pour le respect de constitution, particulièrement respect quota 30% au moins de femmes dans tout espace. Côté moun a pris décision pour engager nation. Malheureusement, monsieur le Premier ministre, l'homme a gardé arrêté qui nommé ni ou même Premier ministre ni ministre, moi ouais sous 18 ministres que 5 femmes là-dedans. On l'homme gardé si me font mathématiques pour moun qui fait mathématiques, moi gardé là-dedans, moi rendre moi compte que sous 18 ministres, 5 ministres représentent exactement 27%, qui est largement inférieur de notion quota de 30% de femmes au moins. Et sur les 4 secrétaires d'État, je rends compte que j'ai 4 garçons. Zéro. Nous connaissons cap haïtien, on pas besoin de budget ça pour m'aider pour le cap haïtien parce que plus gros port touristique là-bas dit qui met plus comme là qu'à réparer, restaurer cap haïtien et gangster Port-au-Prince qu'embé comme là. PM, ou parler de ou parler travers contre corruption. Eh bien mon cap haïtien bon qui enquête nous mener sous. Même comme député. On va mon tour. On passer dans 33 zones cap haïtien. Et il y a 20% de cap haïtien qui dit monsieur Seyan son menteur. 20% moun que me parle avec moi une avec dit monsieur Seyan son menteur. Parce que wale son deux fois ça ou dit hier pas dit jodi. Que 70% de cap haïtien qui dit yo croyez comme on est intègre comme un bon notaire
comme un bon rassembleur. Si vous pas dérouté, vous avez un bagaille. Il y a 10% qui dit qui tu sais, qui tu meilleur, qui tu néant. Ça veut dire, je dis à ou pas le dîme, PM nommé, est-ce que vous avez accepté 20% menteur, 20% du tout menteur, pour le gagner 70% de mounio? Non, problème. L'argent là-bas dit ça. Ndav, c'est vous qui finit avec énoncer ça. La lutte contre la corruption et la recherche de la transparence. Ndav, qu'on va garantir question ça. Première question. Bah, mouno cap, mouno nord. Garantir que l'argent là-bas dit pendant tout on va le faire. Parce que les tourner dans le mois de janvier. Nous parlons tellement méchants, nous les députés. Nous parlons sévère. Parce que nous parlons faire des mois dehors. Nous parlons son chèque en blanc devant nous. Gagoter, gaspiller, et n'a tourné après 6 mois, n'a qu'à inviter, convoquer, interpeller. Ça veut dire l'argent là-bas, dit un PM, notre boutique pour nos cap, qui garantit ou 30%, 40% pour nous là-dedans, après tes privatements, non, pour restaurer le cap haïtien. Merci. Donc la déclaration politique générale du Premier ministre Jean-Henri Seyan est mise au vote. Les députés qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Seyan sont priés de lever la main. Premier et deuxième secrétaire des comptes. Collègue Judal, la place, s'il vous plaît. Oui, folklore fait là, Alchita collègue, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Merci de baisser vos mains. Merci, merci. Vous ne pouvez pas exprimer les deux votes à la fois. Ceux qui sont contre, collègue Véhiqué, ceux qui sont contre la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Seyan sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci, premier secrétaire des comptes. Quatre-vingt-quatre pour, cinq contre, quatre abstentions. Merci. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan est désormais Premier ministre de la République d'Haïti et il y a une correspondance qui va être adressée au président de la République pour lui communiquer les résultats de ce vote. Avant, pas toute la matinée. Mesdames, Messieurs les députés, c'est comme si son engagement formel et solennel m'apprend devant le peuple haïtien, devant nous-mêmes qui sommes représentants du peuple haïtien. Je ne vais pas parler en pile, je connais en pile, je suis fatigué, ça fait longtemps que je parle. Mais je voulais dire, peuple a un bagage que je suis tenu à exprimer. Contrairement à ce que je dis, contrairement à ce que je pense, contrairement à ce que je fomente, je n'ai pas gagné aucun député, ni aucun sénateur, depuis que l'homme a commencé à parler avec vous, à travailler avec vous. À essayer de comprendre mieux la politique pays, à essayer de comprendre mieux comment je vais embarquer, à essayer de comprendre qui est-ce qui voulait accompagner dans la grande bataille. Ça. Personne n'a pas jamais demandé un goût. Personne n'a pas jamais demandé rien. Je devrais dire ça. Si il y a un député qui approchait pour négocier quelques bienfaits pour la population, je pense que c'est normal. C'est normal
Et monde qui dit le contraire, c'est parce que pas qu'on est vide député et sénateur. Premier ministre, président Chambre 9 l'a fait en réaction sous Sodia. Gouvernement, ça a son gouvernement qui fait avec parti politique. Yo. Aucun député dans 117 députés n'a pas négocié gouvernement. Je fais avec les partis politiques, avec un certain parti politique, pas avec tous les partis politiques. Donc, pas aucun député là qui négocie quoi que ce soit. C'est allez-y, ça. Je voulais exprimer ça. Merci. Je voulais remercier tous les députés, tous les sénateurs qui permettent aujourd'hui que les vignes en vérité, vraiment, que m'embarquer avec le support, l'enseignement, m'a dit même la formation que j'ai eue pendant ce dernier mois avec les parlementaires de mon pays. Je voulais dire, moun surtout qui pas voté mieux, moun qui voté contre moi, je vais avoir une chance pour connaître qui moun moi. Je vais avoir une chance pour voir l'équipe moi à l'œuvre. Je vais avoir une chance pour voir que peut-être vous êtes trompé ou que à soir, je vais te mettre ensemble avec l'équipe qui vote maintenant pour te ban ouvrir la route pour nous. Je crois qu'il y a un pile député, ce n'est pas vrai, pas de voter. Mais vous devez être cohérent avec la position que vous prenez, même l'heure par contre qui vous moyez. Je dis nous tous qui votons mieux. Et nous-mêmes qui ne votons pas mieux. Je dis, je prends un engagement pour moi-même, pour tout gouvernement avec moi, pour nous démontrer que nous avons mérité votre là, que nous avons mérité l'accompagnement que nous avons moi pendant moi. Merci. M'a demandé nous, pour nous continuer à croire dans l'équipe SACLA, surtout dans la vision président, que je crois la donne, que je voulais accompagner, avec lequel je cherchais toute harmonie pour que enfin Haïti soit capable de jouer une toute petite lit qui met tête ensemble pour nous faire battre, qui choisit de bien pour le pays. Merci. Démocratie, c'est ça nous choisit. Démocratie, pas de dire goumé ou naklot. Démocratie, pas de dire polarisation. Démocratie, pas de dire pour nous vivre dans l'antagonisme. Démocratie, pas de dire construire. Mais construire dans la diversité. C'est ça que m'engage pour me faire. Député, sénateur, tout le monde dans le pays, autorité, on met tête ensemble pour nous sauver Haïti. Merci, Ampé. Merci, Premier secrétaire. Prochain point de l'ordre du jour. Point 13, clôture de la séance. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare la séance. Volte les Guinées, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout en joue à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi tapant. À souhait, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix et montée, Gadel Janvier.